à toute la presse et m'a dit merci tout. Parce que depuis 9h du matin, nous avec moi, je pensais que nous sommes fatigués, mais moi nous bien frais toujours. Moi nous bien frais et c'est avantage ça que la jeunesse baille. L'homme est jeune et il y a un pile de défis qu'on a levé. Je remercie tout, Madame Lalime, qui est avec moi, ma directrice de cabinet, le directeur général de la police et tout, pratiquement le haut état-major. Moi là avec le directeur général des PCA et puis directeur général UCLBP. Pour qui ça, tout le monde sait là, le prétexte, c'est que moi commence bonheur matin, moi t'al visiter la Cour supérieure des comptes. Moi t'ai fait une visite déjà, mais qu'on y a un peu content toujours pour moi que building nan li répond à toute splendeur et respect que la Cour supérieure des comptes gagne. Moi content pile building nan pratiquement fini, n'a nettoyé qu'on y a et n'a préparé pour une faire inauguration le 3 novembre. Moi visité tout palais des finances. Encore une autre institution prestigieuse qui a gagné un bâtiment qui semblait avec elle. L'inamitant DGI, qui a l'autre bel building pour DGI, et puis il y a l'autre building pour AGD, c'est l'administration générale des douanes. Nous comprenons que finance pays a gagné les deux bras importants qui pour aider à continuer à financer le budget pays. DG UCLBP a apporté des informations techniques pour nous après, mais moi-même, après aller sur. Je vais répondre à l'autre question, mais l'aspect technique de construction et toute la gloire liée à directeur ça qui sont potoriques garçons, qui pas jamais fatigués et qui toujours là. Je visite tout campus direction protection civile. Là. C'est pour me dire que en tant que président, c'est ça? Président comité national là, président quand même. Alors, je suis content et m'a profité publiquement remercier Madame Lalime qui non seulement mettait gracieusement espace que l'on était occupé déjà, mais tout avec certains matériels de grands dépôts qui répondent tout à besoin que DPC gagne. Qu'on y a, je souhaite garder tout avec le directeur là, tout espace et n'a fait projet. Parce que pas oublier, moi là avec deux chapeaux, chapeau PM, je vais tourner sous DCPJ, sous direction générale de la police tout à l'heure, mais chapeau ministère du plan tout. Ça veut dire nous garder qui espace que nous gagnons pour nous faire certains investissements parce que je me rappelle que la saison cyclonique là, n'est pas encore finie. Nous obligés toujours veillatifs, mais c'est DPC qui a bien pour répondre le gagner une catastrophe naturelle. Ma toujours, j'aime qu'on fait déjà, encourager direction protection civile là, pour le communiquer en pile, parce que des fois, nous-mêmes, comme nous sommes peuple qui choisit vivre dangereusement, nous pas jamais entendre, même le malheur a venu, nous pas jamais croire. Alors, ma partie attention, le DPC dit en parole, il dit son prévision. Ça veut dire, il est arrivé, il n'est pas arrivé. Parce que c'est la nature, nous pas qu'à dire vent qui direction pour le prendre, tout comme la pluie, nous pas contre qui le pour nous dire le tomber, nous pas qu'à dire le camper tout le tomber. Ça veut dire même si DPC bail conseil, il bail 50 conseils, il pas arrivé, mais apprendre que ça qu'arrivé, ça veut dire faut entendre DPC, puis Thomas le a pas arrivé. Nous même nous pas victime, mais s'il arrive tout, pour nous toujours pas victime. Ça veut dire faut entendre DPC. Moi, je suis visité tout direction générale de la police judiciaire. Ça, nous-mêmes, nous relais DCPJ. C'est un prétexte pour nous dire nouveau bâtiment que nous avons gagné pour nous inaugurer le plus vite possible. Parce que le bâtiment fini, c'est le meuble que nous avons monté.
Ça veut dire qu'il y a un ameublement. Il y a des problèmes, tout, bon, on connaît. Le premier ministre est venu, il y a toujours non seulement fait des requêtes, mais tout bonne commission by le président de la République. Ça veut dire, moi, prends note, ça pour moi, je vais faire, mais ça pour le président, tout, je vais porter pour lui. C'est pour dire tout que l'autre prétexte, là, c'est que moi, je viens porter support inconditionnel à la police, là, à la DCPJ, pour continuer à traquer les bandits. Je songe, l'homme arrivé premier ministre, bandits, ils recevaient avec 7 kidnappings dans la semaine. Je suis arrivé à Bessel, grâce à support direction générale de la police là, et le haut état-major de la police, pour ne pas dire que éliminer pour une certaine période. Mais je réalisé depuis dollar BCA, depuis manger à BCA, depuis gaz à BCA, depuis la population a commencé à long souffle, c'est un coup Satan ça yo, y a imaginé qui l'autre bagaille pour le fort pour empêcher qu'on vive bien. Eh bien, je devine pour support à la police là, qui travaille en pile. Parce que malgré tout ça, n'était-ce pas la détermination de la direction générale de la police et le haut état-major, probablement nous avons 100 fois plus de dégâts. C'est un coup virus dans l'informatique. Ou à combattre virus, il y a fait virus pour vous. Vina avec antivirus, parce que la police l'a réfléchi, le gouvernement a réfléchi, CSPN a réfléchi, mais bandits ont tout réfléchi. Et malheureusement, il y a gagné divers financements que CSPJ a travaillé, parce que tant coup, étranger aurait dit, follow the money. Faut suivre Kobla. Parce que, quand tu as besoin de l'argent pour financer toute activité que tu as fait, tu as dit, il y a des gens qui ont financé. Donc, je encourage les CPJ pour toujours travailler et ceci pour synchroniser avec tout l'État, la population, pour nous continuer à gommer contre ça. Je profite des policiers en général, sorti sous directeur général, passer prendre au commandement, passer prendre cadre intermédiaire. Rive sous dernier policier que moi toujours avec nous signons pour assurance dans l'autre jour n'a continuer réfléchir pour nous la police là tout support tout moyen que le gain besoin pour le travail parce que sécurité a c'est prioritaire après ça toute l'autre bagaille a vini pour compte depuis une sécurité économie la branger agriculture la renforcer santé a vini infrastructure a fait. Alors, on a besoin que les policiers connaissent, que ma veille, et c'est yo priorité parce que sécurité, c'est la priorité. Je remercie tout le monde qui est là. Si nous avons besoin de questions techniques, nous avons deux directeurs là qui répondent nous. Et je profite encore pour dire joyeux 75 ans aux Nations Unies qui gardent encore toute leur fraîcheur malgré leur âge. Et nous allons les remercier. Au nom du président de la République, c'est un grand jour pour eux. Nous sommes en train de fêter avec eux parce que Haïti fait aussi partie de la grande famille des Nations Unies. Je vous en remercie. Le PM va répondre à trois questions seulement. Question. Et première question par maintenant, c'est pour chef CSPN. Et le ministre, nous connaissons le climat et sécurité à l'Ibajan, si c'est pas de monter en Haïti. De jour en jour, il y a plus qu'à kidnapping. Il y a plus d'assassinats. Et récemment, il y a un étudiant Grégory Saint-Hilaire lui-même qui tombe bien dedans à l'école normale. Selon l'information, c'est un policier qui c'est agent UGPN qui brûle. Après ça, il y a tout un policier qui mourit en dedans au hôtel Révélation au niveau de Delma 33. Est-ce que nous allons estimer qu'il y a une impunité à lui-même pour augmenter en Haïti? Par rapport avec qui disposition nous mettons d'accord pour empêcher ça en fait. Bon, nous encore regretter que étudiant Grégory Saint-Hilaire mouri. Nous regrettons ça et encore circonstance que le mourir DCPJ tout comme la justice a travaillé pour lui joindre qui monde qui tuait Grégory Saint-Hilaire. Parce que nous faut que nous suspendre prendre habitude pour nous tout conclure enquête là. Même le poko rivé. Malheureusement, les gens qui disent
son agent USGPN, non, il n'y a pas qu'à dire ni c'est Pierre, ni c'est Jacques, qui couleur, qui hôtel, même pas très au bol, il n'y a pas pour moi. Ça veut dire, la clameur publique, des fois, elle a raison, mais assez souvent, il a tort. Nous travaillons sur ça. Policier qui mourir. Direction générale de la police, il fait sortir une note. Un policier ou passe son temps dans l'académie de police ou prend formation pour connaître qui comportement pour gagner face à quelle que soit situation. Il mourit déjà, malheureusement les absents ont tort, mais selon enquête, il y a des gestes que nous n'avons pas fait. Le la police rivon côté. C'est son principe ça et c'est conseil ça moi bail quel que soit moun nan moi même la premier ministre si la police rivon côté mal doucement et puis me lever deux même en l'air parce que ça me besoin d'être vivant et m'a demandé tout moun pour nous prendre précaution parce que faut que nous rester vivant. Et on qui victime de kidnapping, par exemple, et Johnny DeColin qui dit que les autres kidnappés là, c'est de nos machines, service de l'État, qui vient jouer au phare, ils pensent que c'est policier, et les regardent, c'est des kidnappeurs de l'époque. Ça, ça a comme chef CSPN. Par contre, si le directeur général là, il est capable de répondre, mais s'il vous plaît, sous qui ça a passé dans la révélation, il vous dit que vous êtes présent, et la question, est-ce vrai ou pas pour pas que là, que les actions ont été passées. Merci beaucoup. Bon, et m'a présenté sympathie à Johnny DeColin. Malheureusement, ça t'est arrivé lui, mais ça qu'arrive n'importe monde. Mais ou madame qui ça s'en fait? Son crime lié. Le terroriste non pays y a pas problème. Moi même comme père de famille, comme président CSPN, me perds du sommeil. Et m'a continué travail, ça seulement me connaît c'est que c'est au cap victime. M'a demandé de fond garder dans NIP. Regardez qui travaille la police fait. Ce sont des images pas trop jolies à regarder. Mais c'est sorry ça. On monte chaque fois au bas de corps, on va obligé de valer de l'eau dedans, on va obligé de jouer un axe au grand. Est-ce que c'est permis d'utiliser le service machine de l'État pour faire qu'il n'a pas de service? Ça, ça tout n'a pas investigué sur lui. Par exemple, je vais vous une information, il machine plaque service de l'État qui n'en est pas. Je vais vous aider. Mais malheureusement, ce n'est pas de ça. Il y a des fausses alertes. Tout. Mais tout, machine qui est dans la rue, moi, j'ai eu une réunion là tout à l'heure avec des CPJ, moi, j'ai eu une information déjà. La police commence à identifier. Nous n'avons pas besoin de ça. Et pour ça qui vient avec le bâtiment, pour ça qui vient avec le bâtiment, et comme on dit, mais qu'il est, et la réponse est même là pour l'inaugurer. Et vous parlez des finances, nous ne connaissons pas. Qui est le bâtiment sali même là pour nous guérir. Donc présentez-nous une fiche technique sur le bâtiment. Et puis, nous gagnons tout espace l'hôpital général là. Je ne vais pas dire rien sur le bâtiment. Qui ça va faire même? Bon, qui t'aimerait répondre sur l'hôpital général là, je vais passer au directeur général du CLBPA pour répondre. L'hôpital général est son dossier que je vais gérer depuis le ministre des Finances. Firme, tu es déplacé, nous faisons le tourner, il y a une évaluation qui est faite, il y a un avenant qui a préparé pour aller dans la Cour supérieure des comptes pour nous recommencer bien vite avec travaux de construction de l'hôpital général. Alors, m'a passé nous, directeur général. Monsieur le CLBP. Attendez. Merci pour la question. Merci pour la question. Et effectivement, on a inauguré la Cour supérieure des comptes le 3 novembre. Pour parler des finances, non? C'est un chantier qui peut redémarrer après Covid. Là. Il y a un petit travail minimum qu'a fait pour la simple et bonne raison que pendant la période Covid, le contrat de supervision expiré, délai expiré, parce que son bâtiment de supervision est fini. Donc, il y a un travail avec. Vous connaissez, Kitem Djo? Quand il y a, vous mettez un petit appli sur le monde, parole, un petit appli. Non, monsieur, attendez. Nous pas qu'un jeune garçon dans l'école. Nous prenons toute formation ça. Pour un coup d'âme, tant que t'il a pris parler, pour demander pour me réagir sur lui. Qui m'ignore le t'il a pris? Son bandit, son terroriste, suspend, bail t'il a pris, frame.
parce que li presque prend maman, li presque prend papa ou tout, li presque prend petite n'importe monde qui là. Et le pape gen pitié pour personne. Ça, je suis désolé monsieur, mon frère, mon ami journaliste, je ne peux pas dire qu'il a toute valeur ça. D'accord? Si il a pas toute valeur ça pour moi. Et tant de boue, c'est grand vent, s'il a pris. Merci beaucoup. Ok, vous avez une question pour Madame Lalim. Allez-y. Vous êtes salue, Madame Lalune. Madame Lalim, il y a des critiques autour de la question de la déclaration des Nations Unies faisant croire que la Fédération des gangs a aidé à pacifier le pays pendant ces derniers temps. Est-ce que vous avez des commentaires? C'est un texte qui a été mal compris. Et nous, on est là en Haïti pour appuyer la PNH et le gouvernement à lutter contre les gangs. On passe des messages très forts en ce qui concerne l'impunité. Les Nations Unies croient que c'est important que la police soit dotée des ressources nécessaires pour mener un combat efficace pour que le peuple haïtien puisse vivre en paix. Merci. Les critiques qui se font contre la position de Binu. La position de Binu a été bien élucidée dans un op-ed qui est paru la semaine dernière. Je vous conseille de le lire. C'était un titre qui y a eu une confusion, qui a mal interprété une information qui était une information statistique qui a apparu dans le dernier rapport. Et c'est tout. La position de la BINU, du BINU, est bien claire. Nous sommes en Haïti pour aider avec la question de sécurité. Les Nations Unies en Haïti a formé une force policière de 15 000 personnes. On est là pour contribuer au professionnalisme de cette force et pour que la paix puisse être trouvée en Haïti pour chaque citoyen haïtien. Merci. Merci. Merci.